Salut tout le monde, c'est Napo. Petite sortie aujourd'hui. On est le Pâques, donc lundi 21. Une petite sortie, on peut dire. Une superficie énorme. Énorme, énorme, énorme. Une petite auto récupérée par Doudoune. Wali-walou, donc il y a du volume. Il y a du potentiel. Eux, ils y ont été hier. A priori, ils ont fait déjà pas mal de petites monnaies. Moi, ce matin, dur de se réveiller, donc du coup, je les rejoins. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont tout là-haut, 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 là-haut. Tout là-haut, 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 là-haut. Voilà, ils voient où. Et puis, moi, je vais marcher tranquillement. Je fais 2-3 petits sons déjà, mais rien d'intéressant. Donc voilà, la journée va se commencer comme ça pour moi. Je marche un petit peu, tiens, on sait jamais. Des fois, qu'en direct, choper un son. Donc voilà. S'il y a quelque chose, sans problème, je rallume. Ok? Allez, à tout à l'heure. Salut les amis, j'ai retrouvé tout le monde. Salut Titi. Après 3 heures, bon, comme d'hab. La nuit doudoune. Rendez-vous à 9h, arrivé 11h30 de Napo. Et une demi-heure pour nous rejoindre à la vitesse de 2 à l'heure. Ah, c'est dur le dimanche, enfin le lundi matin. Waouh! Voilà, le détecteur en mode pause. Ouais, c'est dur, dur. Hein. Du coup, j'avais pas pris encore. Voilà, Walou, nous, petit jouet de Titi. Petit Fischer. C'est pas mal a priori, mais des branlés. Non, tu rigoles ou quoi depuis hier? Je me fous des branlés. Avec mon casque WS5 dans les oreilles. Donc, ouais, les gars, regarde un peu. Les gars, ils ont bien travaillé sans moi ce matin. Hein? On fait Doudoune à 20 francs. Tiens, un franc lève, fais à mesure. Un franc coq. En une heure de temps. Merde, putain, j'ai plus. Un joli bouton à nettoyer. Un air de France, je pense. Je pense. Laisse ma clope. Hop, et là. C'était dans le nez la clope. Ça doit être une 50 centimes que j'ai fait souvent sur l'autre vidéo. Je sais pas comment je vais les enchaîner, mais il y a des 50 centimes 1930 là, Morlon. Hop. Et ça, c'est. Ah, il va être joli celui-là. Ça, c'est un double tournoi et magnifique. Il va être beau celui-là. Bah ouais. N'est-ce pas, Titi? Crac. Et la petite 10 francs coque, donc ça fait une 10 francs coque, 20 francs, 4, 5, 5 6 en une heure. 5 en une monnaie heure pour, Titi, pour Doudoune et un bouton. Et Titi, bah, Titi il est ridicule, il fait ses merdes dans sa main. Titi, Walou, quoi, voilà, il a fait un apo, donc déjà, respect, voilà, ouais, il est beau. Respect. Enfin, il est plié hier aussi. Il est plié, bon, ça se replie. Il est plié. Ça, c'est une attache de. C'est une gonzesse qu'il a violée tout à l'heure. Une attache de je sais plus quoi, là, de et deux plans de sac. Voilà, bon bah allez, crac, on va continuer là-dedans. Et puis j'espère que je vais faire des volets. Allez, tout à l'heure. Bon bah les amis, la journée elle commence, petite monnaie pour moi, un petit trou, donc une dizaine de minutes après la prise de vidéo tout à l'heure. Elle est ici, dans la motte, enfin avec des monnaies. On n'est pas à l'abri d'un bouton, mais c'est rond. Wali walou, on va la nettoyer ensemble. Hop là. Hop là. A priori, il y en a beaucoup ici du l'air de France. C'est un peu pas la taille d'un l'air de France. Voilà, bon, oui, je pense en l'air de France. On va lui user le pépère hein, par contre. Hein. Hop. Ouais, mettra un point d'interrogation. On mettra un point d'interrogation. Je pense à un l'air de France, hein, c'est pile poil la taille. Donc, Wali Walou. Bah, tout à l'heure. Les amis, petite monnaie de Titi là-bas. On va dans le même champ. C'est difficile à marcher, on s'enfonce comme pas un. Voilà, Gualou. Hack. Allez là. Allez, c'est le fichier. Hop là. Hack. Alors, caisse. On est à peu près du même genre que la mienne tout à l'heure. Ouais, un peu dans le même état en plus. Ouais, un l'air de France. Ouais, c'est un liard, je pense. Vu la grosseur et l'épaisseur. Voilà. Bon, encore une petite monnaie. Encore une petite monnaie. Il y a encore de la perspective. Là-bas, on voit la nuit doudoune. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de zoomer. Crac. Et là-bas. Bah, on va le rejoindre. À tout à l'heure.
Bah les amis, c'est la suite de la sortie de ce matin, donc bah pas grand chose depuis ce matin, enfin pour moi et puis pour tout le monde. Là je suis toujours avec Abititi qui est là et l'ami Poilux qui nous a rejoint et qui ouvre le festival l'après-midi. Alors franchement on s'est fait un peu chier quand même, enfin on a promené des poils on va dire. Et là un petit trou. Et voilà. Et un joli double tournoi qui pourrait, si la patine se barre pas. Non. Non, on pourra pas. Non. Mais c'est une monnaie. Ouais. Alléluia. Ouais. Après la cloche de Pâques d'ailleurs. Il a chopé une cloche en fer. Ah, la première monnaie, on désespérait quand même. Voilà, voilà. Donc on a changé les champs, on est dans les bois maintenant. Donc effectivement, c'est plus dur quand même les bois. Voilà. Bon, bah allez, j'espère qu'on va la rallumer rapidement. Tout à l'heure. Allez les amis, petite monnaie de l'ami Titi. T'as un gros truc comme ça pour vous? Pour vous c'est du chou. C'est un été. Quand tu l'auras fini, je pourrais la écraser. Alors là les amis, je vous jure c'est... Il y a un témoin, il y a deux témoins, un Poilux, Poilux, des témoins quand même, je ne les ai pas emmenés. Hein. Et les amis, je vous jure, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai, voilà ce qu'on trouve en forêt. Et je vous jure, c'est vrai, hein. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de mentir. Titi, tu confirmes? Il faudra aller voir dans son frigo s'il a les mêmes. Un truc de psychopathe quoi. Et encore, regardez la date, 3-15, tac, 3-2015, elles sont pleines. Voilà, et voilà, un truc de fou. Et bah regardez ce qu'on va faire, hein, on va boire un coup, un truc de malade. Bon, je fais de la pub pour Anken, mais c'est pas grave. Trouver deux bières pleines en forêt, non mais attends, j'y crois pas, sérieux. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Bon, bah c'est Pâques, hein. Voilà, c'est Pâques exactement. Bon bah écoutez, on va boire un coup du coup. Truc de malade. Bon bah allez. Bon bah tiens. Les amis, juste après les deux bières. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai, mais de toute façon, personne ne va me croire. Donc là-dessus. Elles étaient bonnes. Et elles étaient très bonnes d'ailleurs. C'est un truc de malade. Donc, petite manette Titi là, dans le truc est là. Et. C'est une drôle de forme. C'est sûr? Bah, elle est ovaloïde. Elle est ovaloïde. Elle est très cramée surtout. Ouais, elle est très cramée. Ouais. J'ai cru à un moment à un petit truc, mais bon, je pense à un DT, mais voilà. Donc, petite monnaie Titi. Et Doudou en a fait une tout à l'heure, je la prendrai quand on reviendra à la voiture. Bon, salut les amis, c'est dimanche 27 avril. Petite sortie cet après-midi avec Titi et moi-même, sous la pluie. Mais bon. Ça nous décourage, hein. Il ne pleut pas non plus énorme, hein. C'est le printemps même, il n'y a pas de raison, donc les bois sont propres. Hein. Et là on sort du chemin, on allait sauter de l'autre côté, un bon son pour Titi ici, un trou et une jolie boucle. Voilà. Ah, il y a même l'ardillon avec, dis donc. Ouais. Voilà, bah celle-ci je vais pas la frotter. T'as même l'ardillon avec. Ah bah là, regarde comment elle est belle. Oh, ouais, j'ai vu. Putain. Waouh. Ah elle est belle. Un petit datage aussi, ce serait sympa là. Ah, il y a les initiales dessus, regarde. C'est un B, je crois, là, regarde. Ah, là. Il y aura les initiales gravées dessus, que ce serait... Ah non, c'est une fleur. Enfin, une fleur, je sais pas ce que c'est. Putain, yon. Elle est magnifique, hein. Waouh. On en sort rarement des comme ça. Hein. Elle est entière en plus. Il en manque juste un petit bout ici, tu vois. Il y a l'ardillon dessus, donc je vais pas le gratter. Mais elle est belle, elle est gravée là. Un petit peu d'eau là. Hop. Ouais. Hop, elle sort vert d'un vert magnifique. Eh hein. Ben, jolie petite trouvaille pour le début, pour la première. On a marché un petit peu là, mais on n'a pas fait grand chose. Hein. C'est un peu la jungle. Mais sinon, magnifique boucle. Hein. Waouh. Bon, bah tout à l'heure. Et ouais, les amis, c'est ça aussi la prospection. Regardez-le. Gentil. Ça fait une demi-heure que je regarde le petit. Il est en train de manger tranquillement là sur le bord du chemin. En plus, il se rapproche de moi.
Ah voilà, c'était un petit moment de prospection.